Bonjour, moi c'est Valérie, directrice du CAJ. C'est ma troisième année au centre de Saint-Folquin et avec mon acolyte. Du coup, moi c'est Émilie, directrice du centre donc des 4-12 ans à peu près. Et ça fait aussi 3 ans que je suis directrice, on a commencé toutes les deux. Donc il faut organiser toutes les sorties pour chaque groupe, donc entre 2 et 3 sorties par semaine selon les semaines, mais aussi prévoir les bus, préparer les commandes de repas. Pour ça, on fait des réunions en amont, mais on fait aussi des réunions pendant le centre, évidemment, pour qu'ils apprennent, pour que les animateurs puissent se connaître et pas se découvrir seulement le premier jour, puisque c'est vrai que ça rend les choses quand même plus faciles, même pour nous, finalement. Au moins, on s'est déjà rencontrés au moins une fois, puisqu'on les connaît pas tous. On innove un peu chaque année. Cette année, on a repris le camping, vous le verrez dans la vidéo et avec des vidéos à la fin des animateurs et des enfants, et c'était beaucoup de préparation, beaucoup de stress, beaucoup de questionnements, mais visiblement ils aiment tous, les enfants, les animateurs, et donc ça on est très contents. Vous allez pouvoir justement voir toutes les activités que nous proposons lors de ce centre de loisirs. On est très heureux de vous accueillir tous, mesdames et messieurs, et puis surtout ne pas oublier les enfants qui sont très impatients, qui sont arrivés à la première heure pour pouvoir bénéficier de toute cette belle journée d'animation durant tout le mois de juillet. Je pense que ça sera une belle et grande réussite comme nous connaissons habituellement. Demander parce que ça va être trop bien et en plus je l'avais déjà fait une fois et j'ai trop hâte de le refaire. Bonjour à tous, je m'adresse à vous en tant que président de l'Aéroclub de Calais. Et ma première idée et ma première envie, c'est de dire merci à Saint-Folquin pour ces 3 années qu'on a déjà passées ensemble. 3 années de découverte avec les jeunes. Moi, c'est la deuxième fois que je le fais. C'est bien parce qu'on voit, on voit tout de haut, quoi. On voit les choses en plus petit, genre par exemple la cité Europe et tout, on l'a vu en tout petit et c'est cool. Ça fait la troisième année qu'ils reviennent et ils sont toujours émerveillés. Hein. C'est... Ouais.
On n'a que des gens contents, c'est ça qui est. Moi j'ai trouvé ça aussi très bien parce que ça fait la troisième fois que je le fais. Et puis je trouve ça intéressant de voir même des choses que j'avais pas vues auparavant. C'est la première année que je participe, mais je suis toujours assez émerveillé de voir les enfants dans un avion. C'est quand même quelque chose qui n'est pas banal. On a pu passer une excellente journée et puis bah, je vous dis à l'année prochaine. Tous ensemble, hey, hey, tous ensemble, tous ensemble, hey. Nous avons créé le Fantastic West en 2019, la première édition était en 2019 grâce à la mairie de Watt qui nous avait donné l'accord de pouvoir utiliser le site hein, de l'abbaye de Watt.
site historique. Bon, ça s'est très bien passé. On a voulu faire une édition en 2020. Malheureusement, on a eu le Covid. Et là, aujourd'hui, en 2024, c'est donc la 4e édition. Alors, l'intérêt d'avoir des jeunes, c'est d'avoir du sang neuf aussi, hein, de pouvoir transmettre à ses enfants voilà, ce qui nous anime. Voilà, de pouvoir vivre ensemble une aventure qui pourront peut-être un jour aussi eux-mêmes transmettre. Moi, comme d'habitude, ça fait plusieurs années que je fais le centre aéré et bah, c'est toujours un plaisir parce qu'on fait des super sorties, des sorties qu'on n'a pas l'occasion forcément de faire quand on n'est pas au centre aéré ou quand on ne fait pas de l'animation, comme le baptême de l'air, laser game, de l'escalade, du vélo. Cette année, le retour du camping. Donc c'est plein de choses qu'on ne fait pas forcément et qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Et donc c'est toujours un plaisir de partager ces moments avec les animateurs et avec les enfants. Moi, vraiment, j'ai trouvé ça génial. J'adore aller au centre aéré et j'étais super contente d'aller au camping. Ce que j'ai bien aimé au camping, c'est le food d'eau. Et moi, je trouve que les animateurs sont géniaux et les animatrices aussi. Moi, j'adore aller au centre aéré. On a la chance aussi d'avoir une équipe quand même dynamique, qui sont toujours prêts à faire rire, à vraiment mettre de l'animation au sein du groupe et avec les enfants. Moi, ça fait 5 années que je suis à Saint-Paulquin aussi. Et en fait, le mois de juillet à Saint-Paulquin, c'est vraiment le mois que j'attends dans l'année. Que ce soit pendant mes études ou alors dans la vie professionnelle, en fait, c'est un mois de pur bonheur. Que ce soit avec les animateurs, les directrices, tout le staff de la mairie et puis bah, bien évidemment les enfants. Ils sont super à Saint-Paulquin, toujours partants pour toutes les activités. Ils sont force de proposition et c'est grâce à eux qu'on peut proposer autant d'activités. Chaque année, à chaque fois, c'est trop bien. On fait plein d'activités, que ce soit des parcs d'attractions, de l'acrobranche, l'escalade, tout ça. Là, cette année, en plus, on a été au camping. On a été faire plein de jeux d'eau au parc de là et tout. C'est trop bien. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Moi, ça fait quelques années que je fais le centre aéré à Saint-Paulquin. Et pareil, c'est toujours un grand bonheur, un grand plaisir. J'ai découvert l'animation il y a quelques années, je m'étais dit pourquoi pas, et finalement maintenant c'est oui, absolument, parce qu'on permet de faire des liens avec les enfants, on fait des activités vraiment géniales que je ne retrouve pas forcément partout. On crée des liens extraordinaires avec chaque animateur et les directrices, le staff, un peu tout le monde. Les enfants sont géniaux, ils participent à toutes les activités, ils nous proposent des activités, ils en redemandent tout le temps et il n'y a pas un moment où on a le temps de s'ennuyer. Je voulais vous dire qu'aujourd'hui c'est trop bien d'être au centre parce qu'on a fait du camping et que c'est pas tous les jours qu'on le fait. Alors moi, ça fait des années que je fais le centre aéré de Saint-Paulquin. En plus cette année on a fait du camping, c'était ma première année et j'adore. On fait vraiment beaucoup d'activités et les animateurs sont vraiment cool. Je voulais vous dire aussi que tous ceux qui ne sont pas allés au centre, eh ben, il faut vraiment venir parce qu'il y a plein d'activités extraordinaires. J'ajouterai aussi un petit mot pour Proxy Service qui nous a pas mal aidés
C'est vrai qu'on a David dès qu'on a un petit couac lors de nos activités ou de la gestion, de la logistique et tout ça. C'est vrai que David est là pour nous épauler et on l'en remercie beaucoup. Bonjour, je suis David, association Proxy Service. Donc le centre de Saint-Folquin se termine. Encore merci monsieur le maire et toute son équipe de nous avoir confié le centre de Saint-Folquin. Le centre s'est super bien passé, je pense que les enfants sont contents. Et aujourd'hui, grâce, je redis, à la commune et à toute l'équipe, aujourd'hui, les enfants peuvent faire des activités qu'on ne voit pas partout. Donc voilà, encore merci à tout le monde, merci aux enfants et merci à l'équipe qui a géré ça de main de maître. La municipalité, monsieur le maire et tous les adjoints qui nous aident quand même beaucoup, notamment avec le budget, c'est important. Oui. Mais aussi, dès qu'on a un problème, on les appelle et puis ils accourent un petit peu. Pour nous aider. Le centre aéré, c'est génial!